Où est Martin? Bonjour, Sandra. Martin n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui a bloqué ma carte de crédit? Rectificatif. Pas ta carte de crédit, mais celle de l'entreprise. Mais cette carte, je l'ai depuis plus de 15 ans. Même plus maintenant. Elle était liée à ton ancien poste. Et maintenant que tu as la direction commerciale, je l'ai fait annuler. Tu n'auras qu'à demander de l'argent à la comptabilité quand tu en auras besoin. Tu veux t'amuser à ce jeu? C'est vous qui avez commencé avec votre plainte. Vous prenez vos rêves pour des réalités, en plus de ça, vous voulez des cadeaux. Écoute-moi bien. Des pétasses comme toi, j'en ai vu des dizaines arriver dans cette entreprise et repartir. Fais attention à moi, Dominique. Je risque de te faire souffrir dans ta chair. Sandra, ma petite Sandra, tu n'es qu'une pouffiasse bourgeoise, née avec une cuillère en or dans la bouche. Tu n'as aucune idée de ce qu'une femme comme moi a dû traverser pour être là aujourd'hui. En écartant les jambes? Vulgaire en plus. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai surtout appris à me débarrasser des gens qui veulent se mettre sur mon chemin. Alors, écoute-moi bien. Ça m'aurait vraiment dérangé de perdre ce procès. Mais en fin de compte, si c'est le cas, ce serait pas plus mal. Parce que ça me laisserait le temps de te faire regretter de t'attaquer à ma famille et à moi.